Salut à tous, c'est Ringonilda et on se retrouve pour la présentation d'un tutoriel sur le bloc de commandes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à quoi il sert, quelles sont les commandes disponibles dessus et leur utilité en gros. Donc je vais commencer par descendre de mon cheval, je vais l'attacher. Hop. Et donc, on commence tout de suite. Donc, le bloc de commandes, voici à quoi il ressemble. Dans l'inventaire, je vais le prendre dans l'inventaire, voilà. Son idée c'est 137. Il est obtenable que par la commande give. On ne peut pas le si je cherche ici commande bloc, on ne le trouve pas. Donc pour l'obtenir, il faut activer les commandes de triche. Et donc vous devez écrire give votre nom 137. Donc voilà, vous voyez que ça m'en donne encore un autre. Ce bloc il est stackable par 64. Si je m'en donne 64, j'en ai 64 dans l'inventaire. Pas plus. Donc il y a 20 commandes disponibles pour ce commande bloc. Il y en a que pour le commande bloc qui ne sont pas disponibles par exemple dans le chat. Il y en a 21 qui sont disponibles sur le chat mais pas sur le commande bloc. On peut y mettre 254 caractères maximum. Donc par exemple, si je mets une commande de 254 caractères, si j'ai bien compté, il y a 254 caractères, je mets done. Vous voyez qu'il a accepté la commande. Donc je vais l'activer, hop, vous voyez le commande bloc, il va dire je lui ai dit de dire ce chiffre de 254 caractères et donc il le dit. Si par exemple je vais à la fin de ce chiffre, j'en rajoute un A, vous voyez que même si je l'active, ici il n'y a pas le A, il me l'a effacé. Il me l'a effacé tout seul. Donc voilà. Donc, on va voir tout de suite les physiques de ce bloc. Donc, vous voyez qu'il est là. Ce bloc, il n'est pas soumis à la gravité. Hop, vous voyez. Il n'est pas inflammable. Il ne va pas disparaître. Et il est résistant. Il n'est pas résistant aux explosions. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant les commandes disponibles pour ce bloc de commandes. Commande bloc en anglais. Je mettrai la map en téléchargement dans la description. Donc, je vais regarder que les plus intéressantes. Par exemple, Mitel, tout le monde sait ce que c'est. On va commencer par les commandes ayant effet sur les joueurs et donc nécessitant le @apware. Donc, par exemple, le clear, si j'ai quelque chose dans mon inventaire. Cette commande, vous mettez le joueur. Par exemple, si je mets @a, ça va choisir tous les joueurs. Ça va appliquer la commande sur tous les joueurs. Si je mets P sur le joueur le plus proche. Et si je mets R sur un joueur aléatoire. Vous voyez qu'il y a un petit rappel qui est marqué ici. Donc, si j'applique cette commande. Hop. Vous voyez que ça a effacé mon inventaire. Que je n'ai plus rien. Donc, il l'affiche ici. Donc, la commande effect. Cette commande sert à donner des effets. Comme par exemple des potions, mais on peut le faire directement par le commande bloc, totalement personnalisé, c'est-à-dire par exemple on choisit le joueur, tous les joueurs, l'effet, il faut mettre l'idée de l'effet, par exemple la vitesse c'est 1, il y a le jump boost qui est 8, je mettrai, je vais vous afficher tout, la liste des idées des effets. Ici le temps, sachant que si je mets 9999, ça va être infini, et le niveau. Le niveau maximum est 50. On peut pas aller plus loin. Par exemple, si je mets vitesse 50, c'est beaucoup trop rapide. Je vais mettre par exemple vitesse. Oui, faut dire aussi, si vous mettez 0, ça va vous appliquer l'effet niveau 1. Si vous mettez 1, ça va l'appliquer niveau 2. Donc, niveau. Si je mets 4, ça va l'appliquer niveau 5. Vous voyez que je vais très vite. Vous pouvez désactiver cet effet ici. Hop. Vous mettez juste 1 et 0. Hop. Done. Et voilà. J'ai plus l'effet. Il me marque comment enlever la vitesse. Il n'est pas obligatoire de mettre l'idée. Je pense qu'on peut mettre speed. Comme ça. Je mets pendant 10 secondes niveau 4. Non, ça ne marche pas. Ça marche qu'avec Craft the Kit. Ok. La commande enchante. C'est un peu pareil. Sauf que ça enchante. Ce que le joueur a en main. Je choisis un joueur. Hop. Je choisis l'enchantement. C'est des idées aussi. Donc le 0 c'est protection. Sharpness c'est 16 je pense. Et 34
par exemple Unbreaking, je vous mettrai la liste aussi. Donc je choisis 0, je mets niveau 2, voilà. Et ça va l'appliquer que si j'ai un objet sur lequel on peut l'appliquer en main. Par exemple, si j'ai une épée, ça va rien faire du tout. Vous voyez, il me le dit. Et si j'ai ça, voilà, j'ai protection 2. On ne peut pas aller plus loin du niveau disponible pour cet enchantement. Les voyez, les voilà. Ça, c'est les niveaux maximum disponibles. Par exemple, je ne peux pas mettre protection 5. Ça n'existe pas. Game mode, tout le monde connaît. Ça marche pareil. Give, c'est, on va dire, c'est le même principe. Hein, effect et enchant. Donc, on a give. On give, on choisit le joueur. On choisit l'idée du bloc qu'on veut giver et le nombre. C'est ce que j'ai fait pour le command block. Voilà, vous voyez. Et donc, une petite astuce. Vous voyez qu'ici, où il est marqué stone, grass block. Donc, si vous appuyez sur F3 plus H en même temps, vous voyez que si vous retournez ici, vous avez l'idée. Donc, par exemple, la stone c'est 1, 2, et on peut voir que le command block c'est bien 137. Les potions... ouais, sont plus compliqués les chiffres, mais par exemple la redstone 331, donc c'est assez utile et ça permet aussi de voir le nombre de coups qui nous reste sur l'épée ou sur les pièges. Donc voilà, c'est assez connu aussi. Spawn point, donc ça c'est pour on va dire c'est des checkpoints, c'est pour changer le point de spawn d'un joueur. Je choisis un joueur, je mets les coordonnées, et à chaque fois que ce joueur va mourir, il va réapparaître aux coordonnées sélectionnées. Bien sûr, il faut l'activer. Le TP, TP un joueur à des coordonnées. La commande XP, c'est pour donner de l'expérience à un joueur. Par exemple, vous mettez la valeur. Faut savoir que si je mets par exemple 5, ça va me donner 5 orbes. Je me choisis moi-même. Hop. Et je me mets en survie pour pouvoir voir. Oui. Hop, je me mets à 0. Non, c'est le contraire. Ok. Ce n'est pas normal. Si, en fait, si. Ah, si. C'est pas normal. Hop, si je mets 0 et rigole la 97. Ah ok, oui. Je vais m'en enlever. Comment ça se fait? Bon, on va continuer quand même. Par exemple, je prends XP, je mets 5 au joueur le plus proche, donc c'est moi. Vous voyez que ça me donne pas 5 niveaux, ça me donne juste 5 orbes d'expérience. Pour donner des niveaux, il suffit de mettre un grand L. Comme ça. Et j'aurai 5 niveaux en plus. Il me l'a pas sauvegardé. Voilà. Ah oui. Ah ok. Voilà. Il faut être en créatif, bien sûr. Pour utiliser le command block, il faut être en créatif. À cause de... parce qu'il peut être dangereux. Vous voyez que si je me remets en game mode 2. Si je trouve la commande. Hop. J'ai 22 niveaux alors que j'en avais 17 avant. Donc... la commande test for, ça c'est une commande assez spéciale, un peu nouvelle. Il faut choisir le joueur, et entre crochets, vous mettez des arguments. Et donc, des arguments, on les verra après, ils sont là-bas. Donc, si les arguments sont validés, en gros, si on trouve un joueur avec certains arguments, comme par exemple les coordonnées, si un joueur a certaines coordonnées, quand vous mettrez un comparateur en sortie, il s'allumera si la commande est validée. Sinon, il ne se passera rien. Donc, commande spread players, qui est nouvelle. Spread qui veut dire éparpillé en anglais. En gros. Et donc, elle est toute nouvelle. Donc, vous écrivez slash spread players. Vous choisissez des coordonnées centrales. Si vous en mettez pas, ça sera le command block. En fait, cette commande va disperser des joueurs dans la map. Donc, voilà. Vous choisissez des coordonnées centrales, vous choisissez la séparation entre ces joueurs, par exemple 100 blocs, la distance par rapport aux coordonnées centrales, 100 blocs aussi par exemple,
Si vous voulez que ça soit par équipe, donc vous mettez true ou false, et vous choisissez les joueurs à qui appliquer cette commande. Donc @appower. C'est tout pour les commandes qui s'appliquent aux joueurs. On va voir tout de suite les commandes qui n'ont pas d'effet sur le joueur mais sur le serveur en gros. Donc default game mode, je suppose que tout le monde connaît ça. Ça va changer le mode de jeu par défaut quand on entre, quand un nouveau joueur entre sur la map. Par exemple, vous pouvez mettre 0, 1 ou 2. Voilà. Difficulty, ben c'est pareil, ça change la difficulté dans peaceful, normal et easy, normal et hard. Scoreboard, ça c'est des commandes très utiles pour le map making. On approfondira ici, voilà. J'ai préparé tout un tableau. Donc game rule aussi, c'est une commande très utile pour le map making. Donc on va voir ça en plus approfondi là-bas, parce que ces commandes-là, elles sont assez complexes. Time set, bah, ça tout le monde connaît. Add pour le weather, clear, rain, thunder. Ça c'est pour changer le temps. Et toggle downfall, ça va désactiver ou réactiver la pluie. Donc on passe maintenant au tableau de score. Donc il faut savoir qu'il y a trois types de données pour les tableaux de score. Il y a les objectifs, il y a les joueurs et il y a les teams, les équipes. Donc on va commencer par les objectifs. L'objectif c'est quoi? C'est un objectif que doit réaliser un joueur, en gros. C'était facile. Par exemple, si vous choisissez un objectif, vous mettez un objectif qui compte le nombre de morts. Donc, si le joueur est mort deux fois, cet objectif-là sera à deux. Vous comprendrez ça ici, vous le comprendrez mieux. Donc, pour ajouter un objectif, il faut faire slash scoreboard, objectives, add, et n'oubliez pas le S ici. C'est très important, et scoreboard surtout devant. Add, vous mettez le nom de l'objectif. Ça doit être obligatoirement un seul mot, pas plus. Un seul mot, par exemple, si vous voulez mettre mort, voilà, vous mettez mort. Le critère, ben, ça va être par exemple le nombre de morts. Il y en a plusieurs, on va les voir. Il y a le nombre de morts, il y a la vie, il y a des trucs comme ça. Et ici, le nom d'affichage, qui peut être en une phrase par exemple, c'est le nom sous lequel va s'afficher cet objectif. Donc pour en effacer un, ben c'est facile. À la place de add, vous mettez remove et vous mettez le nom de l'objectif, pas le nom d'affichage, le nom de l'objectif. Les critères, voilà. On va passer aux critères avant l'affichage. Donc les critères, ben, death count, donc scoreboard, objectives, add, nom de l'objectif, death count. Death count, ça va compter le nombre de morts. Pareil pour player kill count, ça va compter le nombre de joueurs. Je dis bien joueur, pas mob, tué. Total kill count, ça va compter le nombre de joueurs et de mobs. Donc les animaux, quels que soient les mobs, ça va les compter. Health, ça va être le nombre de vies du joueur, qui va de 0 à 20. Il ne peut pas être modifié celui-là. Celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui. Mais celui-là, il ne peut pas être modifié. Ou, par exemple, si un joueur est à 20. Est à 20 coeurs, 20 demi-coeurs en gros. Comment dire, un point de vie c'est un demi-coeur, comme ça va de 0 à 20. Donc, si un joueur est à 20 points de vie, c'est-à-dire 10 coeurs, vous pouvez pas le mettre à 5 coeurs, c'est pas possible. Et demi, c'est le dernier, c'est un très utile par exemple pour les captures de drapeaux ou des trucs comme ça. C'est un critère. En gros, qui peut être modifié que par commande bloc, qui ne compte pas le nombre de morts, rien du tout. C'est que par commande bloc. Par exemple, si le joueur a capturé un drapeau, vous pouvez mettre cet objectif à 1, ou sinon vous le mettez à 0. C'est modifiable par commande bloc. Ces objectifs, ils peuvent être affichés sur trois endroits. Donc, il y a le set display. Pour assigner un endroit d'affichage à un objectif, il faut faire scoreboard objectif set display et vous choisissez le slow et c'est optionnel, c'est le nom de l'objectif. Donc il y a trois endroits, sidebar, list et billion name. Sidebar, ça va afficher l'objectif. Oui. Bon, ben on va créer. Ça va afficher l'objectif sur la droite de l'écran, sur un espèce de tableau. List, ça va afficher
L'objectif sur la liste des joueurs, là je peux pas puisque je suis en solo, mais en multijoueur vous le verrez, à droite du nom. Et below name, ça va l'afficher en dessous du nom. On peut pas le voir, mais en dessous du nom. Donc on va créer un objectif pour les pour donner des exemples. Donc on va dire mort, death count, on va compter le nombre de morts et nombre de morts pour l'affichage. Voilà, j'applique la commande. Donc il a créé un nouvel objectif. Pour vérifier ça, vous pouvez marquer objectif liste. Vous voyez qu'il y a dans la liste, il y a mort qui est le nombre de morts, voilà, qui est affiché comme nombre de morts et son type c'est death count. Je veux afficher cet objectif sur la droite. Donc je fais set display, je choisis le. Ah non, si, sidebar, mort, voilà, mais il est déjà mis. Hop. Vous voyez que là il ne s'affiche pas parce que je ne fais pas partie de cet objectif. Cet objectif il n'est pas signé à moi. Pourtant, dès que j'assignerai cet objectif sur le joueur choisi, il s'affichera sur la droite. Donc pour ça, on va voir ici comment ça marche. Donc c'est les joueurs. Vous voyez que vous pouvez ajouter un joueur, un objectif et lui donner une valeur. Donc on va le faire tout de suite. Il faut mettre players, pas objectif ici, avec un S encore. Donc je choisis le joueur le plus proche. Je choisis l'objectif mort et je le mets à 0. Hop, voilà. Normalement. Oui, voilà. Donc ça c'est normal. Donc maintenant je vais le mettre à 0. Voilà. 7 Eragon Elda 97. Mort 0. Et donc. Pourquoi il ne s'affiche pas? Mort. Tease. Il faut savoir aussi que si vous mettez, par exemple, je mets un L et vous appuyez sur Tab, ça va le compléter automatiquement. Donc, Players List. Voilà, je suis bien dans la liste. Eragon Elda 87. Est-ce que je fais partie, ouais, du nombre de morts? Donc normalement, il devrait s'afficher sur la droite. Ah oui. Ah, il ne supporte pas les majuscules. Donc, objectif set display. Mort. Ah, ok. Sidebar, mort. Et donc, pourquoi ça ne marche pas? Set Eragon Elda 97, mort, 0. Ce n'est pas normal. Ça devrait s'afficher sur la droite. Donc, c'est un petit mystère, ce n'est pas normal. Attendez, je vais faire une ellipse. Donc voilà, j'ai trouvé. En fait, je me suis juste décoreco et puis voilà, c'est apparu. Donc j'imagine que c'est un bug puisque je suis en snapshot. Vous pouvez le voir. Voilà, petite chute d'FPS. Voilà, ça remonte. Donc ce n'est pas normal. Bon, je me suis décoreco et donc ça marche. Donc ça doit être un problème du jeu. Donc voilà, vous voyez que ça c'est le nom d'affichage. Vous voyez le nombre de morts. Eragon Elda 97 en dessous et vous voyez que je suis à 0. Donc si je fais oula scoreboard players 7 Eragon Elda 97 mort à 5, voilà, vous voyez que ça passe à 5. Là ça s'actualise bizarrement. Donc voilà. Donc ben voilà, on a vu la commande set add. Vous pouvez enlever un joueur d'un objectif. Hop. Players remove Eragon Elda 97 mort. Ah oui. Ah oui, non. Ça, c'est pour enlever des morts. Voilà. Vous voyez que ça passe à 2 si j'en enlève 3. Parce que 5 moins 3, ça fait 2. Voilà. Vous pouvez reset aussi. Donc, le remettre à 0. On va mettre le joueur. Oups.
on choisit le joueur, hop, on applique et vous voyez que ça ne s'affiche plus puisque je suis pas dedans, il n'y a personne dedans. On va passer aux équipes. Donc voilà les équipes. C'est un peu le même principe. Donc des équipes, c'est un ensemble de joueurs en gros. Et donc on va créer une équipe. Scoreboard Teams Add. On met le nom de l'équipe. On va mettre bleu. Et son nom d'affichage, il est optionnel, hein. Équipe bleue. Voilà. Vous pouvez l'effacer. Bon, on va pas le faire puisqu'on vient de la créer. Vous pouvez rajouter un joueur à une équipe. Donc je choisis le joueur. Donc Eragon de la 87. Et je le mets dans l'équipe bleue. Voilà. Hop, j'applique. Je suis dans l'équipe bleue. Pour le vérifier. Players list Eragon de la 97. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de score. Teams. List. Ah, il n'y a pas de team. Ah, ok, voilà. Voilà. Vous voyez que il y a le. Qu'il y a. Dans la liste des équipes, il y a l'équipe bleue. Voilà. Donc, scoreboard. Teams. Oula. Join. Non, c'est pas ça. Bleu. Eragonelda 87, voilà. C'est pour ça, j'ai pas mis dans le bon ordre. Donc c'est bleu. Eragonelda 97. Hop, voilà. Donc, voilà, je suis dans l'équipe. Si je reliste la team, vous voyez que l'équipe bleue a un joueur. Vous pouvez sortir de l'équipe aussi. C'est le même principe. Vous choisissez l'équipe et vous choisissez le joueur. Vous mettez leave. Pour chaque équipe, il y a plusieurs options. Donc, il y a l'option de changer la couleur d'affichage. Il y a plein de couleurs. Attendez, je vais recréer l'objectif. Oula, c'est pas normal. Donc, normalement, l'objectif. Scoreboard. Objectives. Add. More. Death count. Voilà. Oula. Et mort, on va mettre mort pour simplifier. Ah oui, il existe déjà. Donc sidebar, ok, voilà. Et je mets score, ouh là là là, board players 7 Argonella 97. On choisit l'objectif et on le met à 0. Vous voyez que ça s'affiche toujours pas. Donc si je décore quoi. Voilà, ça s'affiche. Donc, c'est encore un problème. C'est bien un problème. Donc, vous pouvez changer la couleur d'affichage. Donc, on choisit l'équipe. Je prends bleu. Il faut mettre Scoreboard Teams option. Voilà. Vous choisissez l'équipe. Vous mettez color. Et vous choisissez la couleur. Donc, je vais prendre bleu foncé. Je vous mettrai aussi la liste des couleurs disponibles. Donc, vous voyez que je suis en bleu là. Je peux mettre. Green, je peux mettre un peu de tout en fait. Brown, ah non, il n'existe pas celui-là. Oui, non, donc voilà, il y a un peu de tout. Donc, si je peux mettre black, normalement, voilà, vous voyez que ça peut être affiché en noir. Une autre option est le Free and the Fire. Ça veut dire que si vous. Voilà, on va choisir l'équipe. Un exemple, c'est mieux un exemple. Donc, vous prenez l'équipe, vous mettez Friendly Fire, et vous le mettez à True. Si c'est à True, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que dans l'équipe bleue, les joueurs pourront s'attaquer entre eux. Il y aura du PVP entre les joueurs. Si vous mettez False, les joueurs ne pourront plus s'attaquer. Il n'y aura plus de PVP dans la même équipe, mais entre d'autres équipes, par exemple si l'équipe bleue et l'équipe verte, il y aura du PVP. Si Friendly Invisibles, c'est un peu la même chose. Donc on choisit l'équipe bleue, et si on le met à True, par défaut c'est à True. True, ouais, parce que so British.
Et donc, si c'est à tout, vous, quand ceux de votre équipe seront invisibles, vous les verrez. Mais vous les verrez en transparence. Par exemple, si je prends une potion d'invisibilité, hop, vous voyez que si j'appuie sur F5, je me vois en transparence. Je me vois un peu, pas beaucoup, mais je me vois quand même. Donc vous verrez tous les joueurs de votre équipe comme ça. Donc je vais prendre un saut de dé, hop. Voilà, comme ça je suis plus invisible. Et donc vous pouvez la mettre à true ou à false. Donc maintenant, on va voir les règles de jeu, les game rules. Les règles de jeu, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, on va enlever le... Voilà, on va enlever le truc de mort. Voilà, comme ça on le voit plus sur la droite. Donc, règles de jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est dans le jeu, il y a plusieurs règles, on va dire. Facile aussi. Donc, par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc, pour changer une règle de jeu, vous mettez Game Rule. Choisissez la règle de jeu et vous la mettez à True ou à False. Donc, par exemple, vous voyez que ici, si je fais. Quelle commande on va faire? Non, on va pas faire celle-là. Une qui est déjà mise. Ouais. On va dire c'est Aragonelda 97. Ouais. Je vais faire que je dise salut. Ah non, pas celle-là. On va prendre effect. Voilà. Speed 10 pendant 10 secondes de niveau 4. D'ailleurs, il faut mettre l'idée. Hop, voilà. Voilà, je la pique. Vous voyez qu'ici, il vient de dire qu'on m'a donné de la vitesse. Donc si vous voulez éviter ça, vous prenez cette game rule, commande bloc output, et vous la mettez à false. Par défaut, elle est à true. Voilà. Vous voyez que si je l'active et que je me redonne du speed, vous voyez que le message ne s'affiche plus. Pour remettre ça comme c'était avant, true. Voilà. Et je l'active. Hop. Game rule has been update. Vous voyez que si je me donne l'effet, oh, le message il apparaît. Tous les game rules ils marchent sur le même principe. Par exemple, donc do fire tick, ça veut dire que le feu ne va pas se propager si vous le mettez à false. Si vous le mettez à true, oui. Do mob loot, si vous le mettez à true, les mobs vont looter. Par exemple, le creeper va looter de la gunpowder, un archer va looter. Donc, si vous le mettez à false, ils vont rien looter du tout, ils vont rien donner, c'est des radars. Do mob spawning, ça a enlevé le spawn de mob naturel. Donc, c'est pas comme si vous passiez en peaceful. Parce qu'en peaceful, vous pourrez même pas faire apparaître un mob avec des œufs. Par contre, là, si vous enlevez le spawn naturel, vous pourrez faire apparaître des mobs avec des œufs. Do tile drops, c'est un peu le même principe que mob loot. Sauf que ça marche quand vous minez un bloc. Si vous minez le bloc et que ça, cette commande est à false. Il ne sera pas, il ne popera pas. Keep inventory, ça veut dire que quand vous mourrez, si vous la mettez à trop, quand vous mourrez, vous ne perdrez pas votre inventaire, vous le gardez sur vous. Et à false, bah, ça va popper. Ça va être jeté par terre. Naturelle régénération, c'est nouveau. C'est pour désactiver la régénération naturelle de cœur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous la désactivez, quand vous recevrez des dégâts, ils ne remonteront pas. Vous ne serez jamais à 10 cœurs tant que vous ne mangerez pas de pommes ou de potions. Très utile pour le ultra hardcore. En fait, cette snapshot, elle est un peu prise comme la snapshot de la snapshot ultra hardcore, puisqu'il y a des nouveautés avec par exemple les pommes en or, des trucs comme ça. Le mob griefing, ça veut dire que si vous désactivez ça, par exemple, les ghasts, les creepers, ils ne casseront rien. Les Endermen ne pourront pas prendre de blocs. Voilà, tout un tas de trucs comme ça. Donc, il ne manque plus que les arguments à voir. Les arguments, ils sont utiles pour les commandes test for ou TP, par exemple. Donc, on va prendre un exemple, la commande TP. Donc, les arguments. Vous voyez? Oui, on commence déjà, c'est compliqué. On va prendre un commande. Oui, on va prendre un commande bloc. Je veux TP quelqu'un. Voilà. Un joueur. Non, on va prendre tous les joueurs.
Mais je veux que ce joueur ait des co certaines conditions en gros. Donc, je veux que ce joueur appartienne à soit dans des coordonnées x est égal à 100, y, vous mettez une virgule, y est égal à 64, voilà, parce que c'est la hauteur moyenne, et z est égal à 100 aussi. Vous voulez que ça soit dans un rayon de 20 blocs, et de minimum 2 blocs. Voilà, donc, r est égal à 20. RM est égal à 2 blocs. Donc ça va TP tous les joueurs qui sont dans ces conditions. Et ça va les TP ben, aux coordonnées que vous voulez, 500, 300, 64 et 28, 25. Voilà. Donc ça a sélectionné que les joueurs qui sont acceptés par cette condition. Et ça va les TP à l'endroit choisi. Donc on va voir qu'il y a d'autres conditions que ça. Donc déjà, les coordonnées, vous voyez, X, Y, Z. R, c'est le rayon maximum, RM, rayon minimum, et ça, c'est les coordonnées où ils vont être TP. Il y a le mode de jeu, par exemple, vous mettez entre crochets M est égal à 0, donc ça va téléporter que les joueurs qui sont à 0, en survie. Si vous mettez 1, ça va téléporter ceux qui sont en créatif. Nombre de joueurs maximum, ben, vous pouvez sélectionner un nombre de joueurs maximum, par exemple, s'il y a 10 joueurs sur la map, ben, vous voulez qu'il n'y en ait que 2 qui soient téléportés, ça va en téléporter 2 au hasard. Donc, il y a les points d'expérience. Vous pouvez dire ceux qui sont niveau 5 maximum et niveau 2 minimum. Voilà. Vous pouvez toutes les combiner, hein, tous les arguments. Vous pouvez toutes les combiner. Donc, les scores, vous choisissez, vous mettez score, tiré bas, et vous choisissez l'objectif. Par exemple, mort. Hop, je mets mort. Oula, mort. Donc, ça a sélectionné un joueur qui est mort maximum 2 fois. Pour faire le contraire, choisir minimum. Donc vous mettez après ça, vous mettez min, comme c'est marqué ici. Et qui est mort, donc ça va faire qui est mort minimum 1 fois et maximum 2 fois. Et ça va le téléporter aux coordonnées. Et équipe et nom, ben voilà, vous pouvez sélectionner un joueur qui est dans une équipe, donc qui appartient à la team bleue. Team est égal à bleu. Dont le nom aussi, mais bon, ça, vous pouvez pas. C'est pour des cas spécifiques. Donc, il n'est pas très utile. Vous pouvez faire le contraire de team est égal à bleu. Donc, team est différent de bleu. Donc, qui ne soit pas dans cette équipe. Donc, ben voilà. C'est tout pour le command block. J'espère avoir été précis. Si ce tutoriel vous a plu, mettez un pouce vert. Et si vous avez des remarques constructives à faire, je les accepte toutes. Des moyens de m'améliorer. C'était ma première vidéo là où je parlais. J'espère ne pas avoir fait de gaffe, de l'avoir bien faite. Donc si vous aimez, pouce vert. Et si vous en voulez d'autres, abonnez-vous. J'en sortirai sûrement d'autres. Je reprends la chaîne. Donc, ben voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. À plus. Au revoir.